fanatique football, fanatique de la Chanel, fanatique belle boule, comme nous, c'est toujours un plaisir pour moi pour me la avec nous pour capable porter information pour nous et bien pour inviter nous tendre Batche Baloui qui c'est dos à cette sélection nationale féminine senior noir qui t'a parlé dans le groupe. Tant que content, fier. C'est un rêve qui vient de devenir en réalité. C'est des années de travail qui vient de devenir en réalité. Nous travaillons un peu pour ça depuis longtemps. Depuis l'entrée dans cette formation Haïti, j'ai tout après rêver ça. J'ai toujours au travail. Même si dormi dans le jeu, j'en ai fait chanter ça. Nous lever, nous entraîner dur. Après rêver, ça n'a pas de jamais arrivé. Mais pendant deux fois, là, nous avons une chance là. Pour nous être capables de réaliser, nous battre toutes nous-mêmes et nous faire. Et nous sommes vraiment contents, nous sommes fiers et parce que nous qualifier, je veux dire. Si nous ne posons pas la question, le peuple a mangé, quand on a joué une qualité défense, ça y est. Bonne autre explication. Ah, ces gens nous ont dit là, c'est des jours de travail acharné. Depuis là, nous avons fini de jouer au Mexique là. Nous t'es passé, bah dire à côté non, nous t'es manqué ça pour nous qualifier parce que nous t'es une chance là pour nous qualifier direct. Moi nous t'es manqué ça, nous t'es ouais que ça t'es manqué c'était travail qui fait que nous t'es presque passé à côté, mais malheureusement heureusement nous t'es une deuxième chance encore qui c'est barrage là. Nous t'es dit comme ça m'a profité de tout ça, nous t'es senti yo là, moi nous t'es perdu pas jamais que nous pas arriver qualifier direct là. Je dis, m'a profité de tout ça, me senti tristesse, colère et tout ça, me travaille pour que je dise pour me battre le même ressentiment ça. Encore ça me fait depuis que je me quitte le Mexique là, c'était travail, m'a travail. Même là me toujours à jouer dans l'équipe moins, même d'ap travail en même temps dans tête moins. Me connaissais pour journée hier, m'a travail tout et puis c'est ça qui fait me tégué courage, me dégué toute énergie ça. Dans les jambes moins, dans la tête moins, c'est un mélange de tout, motivation, tout, qui fait que je suis capable d'arriver à défendre, de me défendre le pays, jusqu'à ce que je ne sois pas capable encore, même si c'est sauter sur le terrain, je suis capable de sauter, je suis satisfait, même si ça n'a pas passé bien, que je suis fier, je suis content que je me débatte tout moi-même, c'est chance de pas de côté. C'est comme ça que je suis. Mon dégagement fait que je suis à l'autre bout. Et puis c'est la reprise action hein. Moi ouais, c'est Rocky au cœur de la défense centrale et moi c'est sous côté au jeu. Ça c'est signe de motivation toujours. Oui, c'était motivation. On te dit qu'on ça n'importe Jean Saïe. Whatever Jean Saïe, c'est pour qualifier, pas gagner autre choix. Nous ouais comme une deuxième chance. Côté que nous t'ai une chance pour nous vivre dans barrage là, une autre équipe qui pas de chance de là-dedans. Nous ouais, c'est ton chance lié. On te dit qu'on ça nous pas quitter chance ça encore. Qui c'est moi qui pour tout ne défense, ça me fait petit, c'est ça me fait me débat tout moi-même n'importe ballon côté de carré à début, c'est moi qui l'âme pas qui t'est passé, c'est pour ça me donne le soutien, hein. C'est ça que c'était moi qui t'est arrivé sous ballon ça me dégage. Moi une belle association entre vous même et Bettina petit frère dans couloir droit, ça c'est petit non pas petit mais dit c'est comme gars dit moi, c'est souffrir nous pour passer dans elle là pour caler. C'est ça que fait hier. Nous t'ai parlé un peu, nous t'ai motivé un peu pour ça. Quand y a nous une qualification dans mais nous connaissons donc trois adversaires de taille qui c'est l'Angleterre, Danemark et puis la Chine. Ça veut pas petit nous, pas faire non peur. Non, nous pas faire d'avance. Football là on commence, football là c'est sous terrain jouer. Nous pas pour nous faire d'avance. C'est nous pouvons profiter de tant de voisins là pour nous travailler plus pour nous travailler seulement que bien que même si nous qualifions et bah tout bagage qui était bon pour nous profiter de travailler dans le club nous et individuellement aussi c'est plus important individuellement et pour nous capable faire une belle prestation dans la Coupe du Monde là. Donc c'est avec sentiment de fierté, de mission accomplie, on a quitté quand là, moi mobilisation qui est en fait pour aller retourner en club. Comment ça passe un club? Nous allons retourner dans le club, nous. Le championnat n'a pas fini. Nous qualifier pour Haïti, nous contents, nous fiers, mais nous pas blaguer. Nous allons continuer dans l'équipe, nous, à l'entraîner, à jouer, à faire des bons bagages et tout, pour nous montrer que c'est pas comme ça que ça s'est fait.
c'est travail, c'est jouer participation club nous aussi, jouer autour, nous montrer nous tout qui fait que je dis à nous qu'on qualifie dans la Coupe du Monde. Mathieu Baloui, gagnons un amour dégagé pour alors pour toute jeu de sélection, hein, particulièrement pour vous, qui c'est meilleur but dans l'activité qui gagne dans la sélection nationale là. Vous rendez compte que mon nom est mobile? Oui, je me rends compte ça. Je voudrais venir quitter sur les réseaux sociaux, quitter par l'autre timonio, bien que je ne dis pas vraiment parler. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, je ne pas vraiment parler, mais nous connaissons réservé un peu, mais les miens petits tantôt, nous avons passé sur internet là, moi, message nous, je suis toujours content, ça me sourit parce que moi, nous apprécions. Ils ont fait toujours faire effort, nous toujours fait nous content. Ils aiment souterrain pour faire du bagage, pour nous toujours content, pour nous toujours apprécier. Moi-même, tout me remets, nous tout. Merci beaucoup, bon retour en club. Merci. À présent, nous avons invité nous tendez Kerli Teyus en dos à un qui est gardienne sélection nationale féminine senior noir qui t'a parlé dans le micro qu'on fait nous. Après qualification yo pour Coupe du Monde. C'est ça lié parce que question de temps pile sur le dos. Parce que ça a été dit, yo dit c'est parce que yo t'ai manqué un gardien qui confiant, qui expérimenté et qui a assuré en battant. Donc, mais on dit ça et puis tout le monde a dit Kerli et même joueuse de son équipe a dit Kerli, faut qu'on vienne sur là, bien plus confiance, bien plus bagaille. Nous croyons qu'avoir depuis là, on a bien chassé dans le mondial là. Tu as une bonne mission sur cette toile? Mission en pile et puis sans compter staff moi, donc on a gagné un groupe, une équipe qui travaille pour moi. Il y a une question administrative, il y a une question motivation, donc tout net te dit Kerli, allez, il y a une bière. Tu fais un peu de sacrifice pour la vie? Oui, je fais un peu de parcours, qui n'est pas facile. À la dernière minute, tout le bagage est bon. Et même les mouvés là encore, regardez ma lettre, tellement de bagages là, je ne fais pas facile. Même les mouvés là, oui. C'est hier, dans la deuxième mi-temps, je fais ma lettre. Ma lettre, je suis grand pour me la donner, je me la donne, tout le bagage est bon. Donc, je joue avec un grand qui est trop petit pour moi, mais qui est efficace. Mm-hmm. Avec un crampon qui est trop gros pour moi, mais qui est normal. Donc, heureusement, ça qui était plus important après tout ça, c'était qualification. Nous satisfaits. Donc, et nous sommes satisfaits. Mm-hmm. Difficulté au gain, pas privé de raison de détermination que la caille pour vous donner des fonds. J'étais sous motivation. Mm-hmm. J'étais sous motivation parce que je ne pas faire tout pas pour ça, pour rien. Pas question. Et même les nous réunions entre nous, nous disons, mesdames, nous pas guide d'option. Moi-même, je n'ai pas guide d'option. Nous avons seule option qui c'est prendre billet, ça, retourner la caille avec. L'équipe dans le mondial, c'est le gros nom qu'on a sur les réseaux sociaux là, fanatique par contre, vous mettez non? Oui, yeah, parce que nous faisons ça dans U20, mais pas oublier dans U20, ça n'a pas vraiment compté à 100%. C'est la catégorie senior le plus compté. Donc, c'est la première fois Haïti qualifié pour le mondial non qualifié. Même question, deuxième fois, mais pour l'histoire, c'est la première fois. Parce que c'est la catégorie grand monde nous fait le mondial là, pas de jouer. Pas de jouer. Là, au content, on fait partie de l'histoire ça. Oui, moi vraiment content parce que c'est un rêve, j'ai toujours dit comme ça et me qualifier dans U20 ça t'a complété palmarès moi c'est faire dans senior tout parce que U20 c'est catégorie jeune d'abord j'aime se dire mais senior c'est leur jeune tout gros joueur toute gros équipe yo. Donc si nous sommes gros équipe si nous c'est gros joueuse nous doit là il y a ici dans mondial et est-ce que les noms sont comme nous convoqué raconter le budget qui vont vivre ça. Et là, nous sommes sortis, nous sommes sortis. Parce que. Bon, les contacts, vous dites nous sommes sortis, nous venons ça. Je suis content. Et moi, je suis content. Et puis, je suis prié, bon Dieu, pour que tout le monde soit OK pour nous. Là. C'est ça, pour ne pas jamais réagir parce que je suis confirmé. Vini, moi. Mais je suis prié, bon Dieu, je connais. Depuis, bon Dieu, je suis venu là. Okay. Donc, bon Dieu, je suis venu là et je suis qualifié. Et nous qualifié. Oui, nous avons un adversaire qui est beau. Et la Chine. L'Angleterre et Danemark, nous beaucoup à penser à adversaire ça, on a pensé n'a joué qualification pour le moment. Oui, dame Julie, mon connaît football là son bagage qui allait vite. Donc jeudi hein et puis dès que nous arrivons là caille non tant pour dans weekend ça nous gagne madame François qui a joué dans l'équipe yo. Donc yo gagne t'a pas penser à autre chose, il t'a pas quitter qualification derrière yo qu'on allait pas penser avec yon pour yo finir une bonne saison dans club yo. Et puis, ils font une bonne préparation pour le mondial.
Donc l'équipe ça yo, nous pas qu'à dire nous perdu d'avance et nous pas qu'à dire nous gagner d'avance tout. Mais par contre, nous pas le travail. Bagay la pas facile pour nous. Même j'en ai pas facile pour nous, mais nous même nous ka promettre que bagay la pas facile pour nous. N'a croqué dans gorge. Vous êtes bien motivé. Oui, parce que nous méritons. Nous méritons. Qualification ça, moi c'est une série sous gâteau allié. Donc c'est mondial ça parle vraiment pour nous, c'est mondial ça parle fait nous développer tout talent que nous gagnons, qui vous dit nous qu'on fait plus toujours, qui vous dit nous mériter, parce que par coup ça nous arrivons là, c'est qu'on met ça à faire, nous travaillons pour nous là, donc il y a deux bonnes ça nous mériter dans mondial ça, parce que nous allons prouver, nous allons faire ça nous qu'on fait, nous allons faire ça nous doit faire, mondial ça c'est pour nous, donc si c'est pour nous, nous allons belle dans mondial ça, nous préparer pour nous belle. Écoutez, est-ce que pendant nous qualifier nous Nouvelle-Zélande, nous dans Auckland Nouvelle-Zélande. Et nous pas petit flashback, nous pensons à Jean-Balabé du quoi des bouquets, le côté de commencer, nous on a là été difficile pour lever pour entraîner pour aller à l'école et maintenant qu'on est dans le mondial. Bah là c'est difficile, donc pour musique catégorie de ma fille, hein. Chaque 6 heures du matin faut qu'on lève, donc c'est pas qu'on balade qui déjà me passe. Pendant t'as chanté là, t'as vécu vraiment. Nous t'as vécu. Ouais. Chaque 6 heures on a pleuré et nous pas l'entraîner. Et l'année vient de s'entraîner tout de suite après nous courir à manger, baigner pour nous aller à l'école. Donc c'est une journée qu'on s'allie et c'est chaque jour comme ça. Samedi, dimanche, nous avons un match. Dans le soleil chaud, nous avons 3-4 matchs par week-end. Donc je pense que c'est pas déjà passé. C'est un rêve qui commençait depuis que j'ai 14 ans parce que j'ai entré dans la fédération en 2013. Donc j'ai 14 ans. Donc c'est depuis dans l'âge que ça a commencé. Et puis, nous pas jamais campé. Je ne suis pas jamais capable de malgré mal états unis je ne suis pas capable. Je suis 3 ans depuis que je suis en sélection. Oui, je suis 3 ans depuis que je ne fais pas partie de la sélection. Mais je ne suis pas jamais capable. Tu es toujours en train de tourner. Exact. Je ne suis pas jamais capable. Parce que le rêve-là, il continue. Et le rêve-là, je ne vais pas dire qu'il aboutit avec la qualification mondiale. Donc, il continue. Nous avons une surprise toujours. Merci. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Pour finir, je vais inviter nos tendres coach Nicolas Delépine qui t'a répondu à une question qu'on ferait nous. Et comment elle sent-elle satisfaite après belle qualification, sélection nationale féminine senior? Et on aimerait se réveiller tous les matins comme ça. Je crois que le sentiment aussi d'avoir fait le job, parce que on travaille souvent beaucoup, mais dans le football, c'est rare les moments de réussite et de joie, donc on profite. On a profité un petit peu hier soir et on profite encore ce matin d'être ensemble quelques minutes, parce que ça c'est aussi la vie de la sélection. À peine on a fêté et eu toute cette joie qu'on doit se séparer un petit peu aux quatre coins de la planète, mais ainsi va la vie du foot. On se retrouvera avec grand plaisir dans quelques mois. Bon, ce rassemblement prend fin et bien évidemment et tout le monde va retrouver ses activités respectives et on peut avoir une idée sur les déplacements. Mais là, on a des joueuses qui rejoignent les États-Unis, qui vont partir très bientôt déjà. Ensuite, on aura un gros groupe qui rejoindra l'Europe. Et puis, un dernier groupe qui partira en fin de journée vers Haïti. Le rêve, est-ce que vous finissez de rêver là? Les rêves qu'on fait, on est dans la réalité? Non, je pense qu'on va... On va arriver encore un petit peu de temps, on peut nous le laisser et puis on va se l'autoriser parce que... C'est un doux rêve. Oui, voilà, et puis on va se laisser porter, on a jusqu'à la Coupe du Monde, je pense qu'on rêvera encore un petit peu dans notre tête, on rêvera aussi les yeux ouverts pendant cette compétition, même si on va la préparer forcément d'une façon très professionnelle, mais oui, le rêve est en marche et on va en profiter le plus longtemps possible. Les adversaires d'Haïti sont connus, c'est l'Angleterre, le Danemark et la République populaire de Chine, des grands noms du football féminin. Oui, c'est ça. Je crois que c'était, quand on dit que c'est un rêve de jouer la Coupe du Monde, ben, c'est ce qu'on a envie, de jouer les plus grandes nations du monde. Ben, on sera là, je pense qu'il manque peut-être les États-Unis, qu'on a déjà joué en qualif de CONCACAF. Après, on a l'Angleterre qui sera un de ses favoris de la Coupe du Monde, champion d'Europe en titre. Qui va venir pour le titre, hein, pour être champion du monde. On a aussi la Chine qui est toujours un outsider, qui a remporté
la zone Asie il y a quelques mois, donc c'est une des grandes nations du foot, forcément. Et puis le Danemark, une nation historique du football féminin qui est toujours présente dans les grandes compétitions, qui a de grandes choses aussi en Europe. Donc c'est vraiment un groupe très 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 costaud. Voilà, il n'y a pas de petites équipes, il n'y aura pas de petits matchs, mais en même temps, c'est ce qu'on voulait. Est-ce que vous allez maintenant travailler sur des renforts, sur d'autres joueuses potentiellement qui peuvent rejoindre la sélection nationale? Non, je crois que là, on a déjà fait des revues d'effectifs. Le temps maintenant, il est à la préparation. On a notre groupe de joueuses, on a quelques joueuses qui n'étaient pas en forme ou n'ont pas pu venir sur ce rassemblement. Donc ces joueuses-là pourront bien évidemment prétendre à une place, mais je crois que le temps n'est pas venu d'ajouter des nouvelles joueuses, mais plutôt de travailler avec le groupe qui a fait cette campagne maintenant, et puis de l'améliorer, d'asseoir encore un petit peu nos automatismes collectifs, parce que c'est ce qui nous manque. Il nous manque des matchs. Voilà, on voit le Chili qui a joué peut-être 6-7 matchs avant cette compétition, nous n'en a joué un seul au Portugal. Donc effectivement, les plus grandes nations, et si on veut devenir une plus grande nation, eh bien, il faut jouer des matchs. Voilà. Il faut qu'on ait un vécu ensemble, il faut qu'on accumule les matchs, les expériences. Ce tournoi des barrages nous a donné une grande expérience supplémentaire, mais on doit encore progresser dans ce domaine. À regarder votre équipe évoluer avec des changements, surtout au niveau de la ligne défensive, de Ketna qui change de position, Tabitha qui arrive à la défense centrale, Bettina et qui passe à droite, et c'est une véritable révolution quand même. Oui, de l'extérieur ça peut paraître une révolution, de l'intérieur pas trop, puisque on a beaucoup discuté avec les joueuses après le stage du mois de novembre, avec elles aussi dès l'arrivée à ce stage. Et on s'était dit qu'il fallait utiliser les joueuses au plus proche de ce qu'elles font en club. Pas toujours au même poste, mais au plus proche. Voilà, on n'a que Ketna qui est utilisée sur un poste offensif dans son club, mais qui a tellement rendu service pour l'équipe et pour le pays à ce poste de défenseur que voilà, c'était un deal aussi avec elle de se sacrifier pour son pays et pour l'équipe. Après, Tabitha et Bettina sont sur ces postes en club, tout proche de ses postes, donc c'était le choix qu'on avait fait. Merci beaucoup coach, et bon voyage, bon retour à vos activités en France. Oui, merci, ben, on a déjà la tête un petit peu au mondial, donc voilà, vous pouvez être sûr que, ben, peut-être pas dès demain parce qu'on va se laisser un petit peu de temps, mais dès la semaine prochaine on sera déjà un petit peu la tête au mondial. Merci beaucoup.